L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Aujourd'hui, on va vous parler de la fonction marketing. Et pour en parler avec nous, nos invités, je vous les présente tout de suite. Harry Moyal, DGA de l'Olympique Lyonnais. Détaillez-nous un peu Bonjour. Ce que vous offrez justement à travers ce mobile là pour vos clients individus, enfin citoyens, vos clients entreprises. Racontez-nous ça. D'accord. Donc, on a construit un nouveau stade qui s'appelle le Parc Olympique Lyonnais, dans lequel on est rentré début janvier 2016. Le stade connecté. Exactement. Donc, on a fait énormément d'investissements dans nos infrastructures technologiques pour avoir un stade à la pointe de la technologie, vraiment à part avec ce qui se fait de mieux en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et on a essayé de faire évoluer l'ensemble de notre organisation vers effectivement beaucoup plus d'expérientiel. Et on a mis la mobilité au cœur de cette logique, notamment en développant notre application Parc Olympique Lyonnais, qui est le véritable centre névralgique de l'expérience de nos supporters en jour de match, mais aussi avant et après le jour de match. Et parce que le but, c'est ça, c'est pas de les capter le jour où ils sont là, c'est continuer à faire vivre cette relation. Et c'est un peu ça aussi le renouveau de la relation client, c'est qu'auparavant, voilà, le client achetait, on le suivait un peu parce qu'il avait acheté un peu de SAV, mais aujourd'hui non, on va le suivre, on va le devancer ses prochains achats. Et exactement, je pense que c'est aussi le corollaire de tout le développement de la connaissance 360 degrés des clients. Au fur et à mesure qu'on capture et qu'on comprend de mieux en mieux qui sont les clients et quelles sont leurs attentes, on a plus de capacité à personnaliser nos offres par rapport à leurs besoins et à être proactif pour leur pousser des offres quand on pense que c'est le bon moment et le bon produit à leur envoyer. Pour bien comprendre, Harry Moyal de l'Olympique Lyonnais, vous pouvez nous donner un exemple d'un service que vous proposez ? Tout à fait. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est 48 à 72 heures avant un match, on envoie des newsletters personnalisés à toute personne qui est porteur d'un billet. Pour lui expliquer quelle va être la météo le jour de l'événement pour qu'il arrive bien habillé si jamais il doit pleuvoir ou au contraire s'il fait très beau. On lui explique l'ensemble des animations qui sont dédiées à ce qu'on pense être ses besoins. Donc typiquement, si c'est une famille, on va l'orienter vers le village famille qu'on a créé où il y a toutes les animations vers les enfants. Si c'est un millennials, on va plus l'orienter vers ce qu'on a créé, une light zone avec une after et une before avec de la musique et des DJ. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de smart marketing ? C'est déjà, si on parle des grands chiffres, il y a environ 20 millions de Français qui sont intéressés par le football. Nous, sur une année pleine, on a environ 2 millions de spectateurs qui vont venir dans notre stade et on en a 5 millions qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les gens avec qui je dois dialoguer parce qu'ils nous aiment, ils nous suivent, ils sont intéressés par ce qu'on fait. En face, bien qu'on soit une marque connue nationalement et internationalement, il faut réaliser que nous, on n'est qu'une PME. Moi, mon département marketing, aujourd'hui, c'est 8 personnes. Oui. À l'intérieur des 8 personnes, j'ai la moitié de mes équipes qui travaillent plus sur des problématiques de branding et d'image de marque, et j'en ai que 4 qui travaillent vraiment sur la relation B2C et B2B avec mes clients. Donc, comment est-ce que 4 personnes peuvent interagir et être pertinents pour répondre aux besoins de 5 plus 2 plus quelques millions de personnes ? Donc ça, c'est le véritable challenge et c'est ce qu'apporte la technologie aujourd'hui. Ça nous permet de créer des logiques segmentées. Donc on identifie qui sont les clients et quelles sont les offres qui vont être les plus pertinentes pour eux. Et après, on crée des parcours marketing automatisés qui font qu'au fur et à mesure de leur parcours, de nos interactions avec eux, on va agir de telle ou telle manière pour essayer d'aller dans leur sens. On est vraiment obligé d'être complètement omnicanal, de savoir loguer à tout moment l'ensemble des interactions qu'on a eues avec nos supporters, que ce soit sur nos sites web, au guichet de nos services clients, sur les réseaux sociaux, au téléphone, par les emailing. Donc il est primordial qu'on ait un historique effectivement sur l'ensemble des supporters pour pouvoir leur parler. On est aussi un bon exemple de cette dimension éphémère des produits. Dans la mesure où, comme vous pouvez l'imaginer, on ne va évidemment pas communiquer les mêmes offres, produits et services à nos supporters selon qu'on gagne un match ou qu'on le perde. Non. Donc, oui, forcément. Donc, non, mais c'est tout bête, mais j'imagine, oui. Donc forcément, quand on gagne et qu'on nos meilleurs joueurs marquent des buts, on va pousser agressivement nos produits merchandising.
on va inciter les gens à aller faire la fête après, à se retrouver ouais. dans un bar, à célébrer. Acheter le maillot du joueur qui a marqué contre son camp et qui a fait perdre l'équipe juste c'est après. Plus compliqué. Ça devient compliqué. Et justement, sur quoi vous travaillez aujourd'hui, Harry Moyal de l'Olympique Lyonnais, pour avoir un ciblage encore plus fin sur vos. Parce que vous avez tellement de données, finalement, vous le ouais. connaissez presque personnellement. Quoi, et chaque jour qui passe, on en a plus. Donc, c'est sûr que ça rajoute à la complexité. Pour faire simple, aujourd'hui, on a une segmentation assez simple qui est basée sur la récence et la fréquence des achats. D'accord ? Évidemment qu'on individualise ça selon qu'on parle à une famille ou à un retraité ou à un millennials, mais c'est toujours généralement autour de la récence et de la fréquence. Je pense que la prochaine étape pour nous, ça va être de rentrer dans des logiques de machine learning qui vont nous permettre de faire des segmentations beaucoup plus complexes et donc beaucoup plus dures à communiquer au grand public ou dans ce type d'émission, et donc qui permettront d'avoir beaucoup plus de segments et beaucoup plus individualisés. Avec ces outils, on peut attirer des nouveaux clients ? Forcément, au fur et à mesure qu'on commence à créer des segmentations, on voit quels sont les segments qui ont le plus de valeur pour nous en tant que club, hein, en tant qu'entité économique. Et donc forcément, après, on essaye d'aller chercher des profils comparables. Donc on lance un certain nombre d'actions marketing vers les segments qui ont le plus de valeur pour nous pour essayer d'aller recruter prioritairement ces gens-là.